précéder aujourd'hui une rencontre du troisième type avec Ashley McIsaac. En flash, il y aura Les Innocents, Tinker, Left Field, si vous aimez la musique techno, également Jim Corcoran. Aussi, parlant de troisième type, The X-Files. Mais pour tout de suite, nous avons le disque de Sherpas. Et je me demandais qu'est-ce que c'était un Sherpas. C'est des bonhommes qui vivent en montagne, qui se spécialisent en alpinisme. Et Namche Bazar, c'est le titre de leur album. C'est un trio qui vient d'Orléans. Et apparemment, ce sera un village qui sera grimpé à 11 300 pieds sur le bord de l'Everest. Et c'est là où vivent le plus grand nombre de Sherpas. Alors enfin, la France continue son rattrapage musical. Avec ça, c'est un album très solide, bien rempli. Paysage musical divertissant quand même. Et Alléluia, ça donne une très très bonne idée du restant de l'album. Plusieurs très bonnes chansons. Et aussi, elles ont toutes quelque chose d'intéressant. Et il n'y a aucune balade sur l'album. Vraiment, ça brasse beaucoup. Et pour vous donner une idée, c'est un mélange hip-hop, dance, rock, reggae. Un son assez contemporain quand même, avec un peu de salsa, de jungle. Ils ont fait de l'échantillonnage également, un peu de synthétiseur. Aussi, il y a de vrais instruments. Et la guitare, des fois, rappelle un petit peu Beck, un tune acoustique. Et je pense qu'il y a le temps que la France, parce qu'ils ont été pognés dans l'accordéon quand même assez longtemps, je vous avoue, ça fait du bien d'entendre ça. Et en général, ça se danse, mais ce n'est pas de la musique dance, il faut bien s'entendre. Et c'est toujours quelque chose, vous écoutez, et c'est toujours agréable. Il y a quelques vraiment chansons qui sont vraiment très, très bonnes sur l'album. Et j'avoue que dans le genre, j'ai beaucoup préféré ça à Alliance Ethnique, qui fait un peu dance, ketan peut-être des fois à l'occasion, mais ça, c'est vraiment très bon. Il y a un seul petit problème, c'est que ça devient un petit peu redondant, c'est toujours, mais c'est vraiment juste un petit problème. Et si vous aimez la chanson qui s'appelle Alléluia, moi, je vous conseille l'album au complet. Comme ça, je donne un 8 sur 10. On regarde un extrait d'Alléluia.